Tom Game, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. On va faire une petite visite dans deux maps dans l'espace. Là c'est la première, la deuxième ce sera vraiment très très lourd. Là on va visiter un peu tout ce qu'il y a. Là c'est pas bien fait parce qu'en fait là il y a un trou. C'est un peu dommage. Ah oui, là on meurt. Moi ce que je trouve méga stylé dans cette map, c'est que les cubes sont bien faits, les cubes noirs. Alors on dirait vraiment qu'on est dans l'espace, parce que si vous savez pas, ici c'est des cubes noirs. Les petits cubes comme ça de lumière, j'adore. Oh, on peut pas péter, ça aurait été bien. Oh la chance. En fait là ça doit nous tuer normalement. Ah bah dommage. C'est une map pour visiter, normalement pour récupérer des points, mais cette map elle est vraiment hardcore. Alors on va pas jouer aujourd'hui à cette map. Et je pense que la visite aura déjà été assez bonne. Et c'est bon. Alors on passe à la prochaine map tout de suite. Je fais une petite coupure. On se rejoint là-bas. Re les gars, on est sur la deuxième map. C'est vraiment du très très lourd. Là je vais vous montrer. C'est énorme. C'est le meilleur truc au monde qui a jamais été créé. Franchement, c'est tellement stylé. Comment avoir une idée de créer ça avec tous les matériaux? C'est méga dur. Oh, il y a un avion. On va pouvoir voler en même. Je l'ai déjà visité sur d'autres youtubeurs comme la plupart des maps. Pour voir si elle est bien. Et elle est super bien. Elle est franchement méga stylée. On peut se battre sur cette map et tout ça, on peut faire des combats. Mais franchement, c'est le bolide qui est comme ça là. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un créerait ça. On peut rentrer dedans? Ouais, je crois. Oh, il y a des coffres. What, le bruit, je sais pas si vous entendez, mais il y a un super gros bruit. Alors là, comment on pourrait rentrer? Oh, on peut pas ouvrir le coffre. Comment on pourrait rentrer? Il y a un coffre, on va essayer de l'ouvrir. On peut pas. C'est super, ça bug. On va essayer d'aller sur le vaisseau et si on n'arrive pas, je prendrai de nouveau un avion. Bah merde. Là, je suis obligé de prendre un avion. Donc, franchement, c'est les... j'ai pris cette map en deuxième pour que vous me dites dans les commentaires laquelle vous préférez. Pour l'instant, moi, c'est celle-là. Vous me direz dans les commentaires alors. Et franchement, je trouve que ça a été super bien travaillé, un vaisseau comme ça. Moi j'adore les vaisseaux, alors c'est cool. Et j'aime bien faire des visites sur les maps parce que franchement t'en as qui se donnent du mal et ils ont le mérite de pouvoir qu'on les regarde. On peut pas ouvrir les coffres par contre sur cette map, c'est un peu nul. Oh, il y a une télé. Attends, comment il a fait la télé? Il y a une télé. Ok. J'avais jamais vu ça. Oh oui, on peut rentrer dedans. Oh, c'est méga stylé à l'intérieur. C'est franchement méga stylé. Oh, il a fait un petit QG comme ça pour avancer. La visite du vaisseau d'avant, du vaisseau de l'espace d'avant, ça aura été pas vraiment long. Vraiment pas du tout long. Mais c'était parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses à voir. Franchement, magnifique. Je vais essayer de voir un peu plus ce qu'il y a pour voir d'autres véhicules. Ça aussi, c'est stylé. Mais bon, le gros truc au milieu, c'est ça ce qui est le plus épique. Moi je vais regarder si on peut bouger là. Non, on peut pas rentrer. Ah si, mais en fait c'est la même intérieur qu'on avait.
Les gars, on peut sortir? Les amis, on peut sortir? Attendez, c'est où le trou? Oh. Je vais aller en bas et je vais essayer de le retrouver. Oh non, je l'ai plus. J'avais trouvé une sortie. Merde. Oh. J'avais trouvé une sortie. Ah oui, elle est là. Je la vois pas beaucoup cette sortie. Alors. Je sais pas si vous la voyez, elle est un peu près vers là. On la voit pas beaucoup. 2000 years later. Dans une certaine zone, on la voit pas sortir. Voilà. Non, on la voit pas. Je n'arriverai pas à l'attendre. C'est ça qui est dommage, sinon on aurait pu sortir de la map. Franchement, une map magnifique avec tout le décor et tout. Sur ce, on va se laisser là parce que ça aurait été déjà une super belle visite. Alors, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut à tous, c'était ZombieGame.